Chers téléspectateurs, nous vous proposons aujourd'hui une émission un peu exceptionnelle, en effet, passé-présent, présente des numéros qu'on pourrait appeler des numéros spéciaux, des éditions spéciales, autour du thème de la désinformation historique. Nous l'avons déjà fait à deux reprises à propos de Churchill. J'ai avec moi aujourd'hui notre ami André Posokov, qui est un petit peu le maître d'œuvre de ces émissions un peu particulière, et aujourd'hui nous allons aborder la question de la guerre d'Espagne. Pourquoi la guerre d'Espagne? Nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer à diverses reprises. Eh bien, parce que vient d'être publié un ouvrage de l'anglais Paul Preston qui s'intitule « Une guerre d'extermination », cela pour désigner la guerre civile espagnole. Alors le terme évidemment peut surprendre, mais quand on rentre dans l'ouvrage en question, on est encore plus surpris, puisque cet auteur anglais, dont les sympathies d'extrême gauche sont bien connues, nous propose une vision totalement partiale et largement fantasmée de l'épisode de cette guerre civile espagnole, en allant même jusqu'à prétendre que dès avant la guerre, les militaires qui ont conduit l'insurrection, le soulèvement national de juillet 1936, avaient l'intention, ni plus ni moins, de massacrer, de génocider le prolétariat espagnol pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Et d'ailleurs, le titre de l'ouvrage dans ses éditions anglaises et espagnoles est d'ailleurs tout à fait révélateur, puisque l'on parle d'Holocauste espagnol, avec un renvoi évident aux événements de la Seconde Guerre mondiale, au massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors tout ça n'est évidemment pas très sérieux, mais il n'en a pas moins bénéficié d'une presse relativement importante, hein, notamment dans les colonnes d'un grand quotidien du soir, bien connu. Et donc il était tout à fait nécessaire de remettre les choses en place sur cette question éminemment sensible et qui fait débat depuis maintenant 80 ans. Puisque cette guerre d'Espagne, je le rappelle, c'est juillet 1936, mars 1939. Alors pour évoquer cette question, eh bien, nous avons sous la main un spécialiste incontesté, en la personne d'Arnaud Imatz, qui nous a donné, il y a déjà maintenant quelques années, une biographie de José Antonio qui fait autorité, notamment en Espagne, et pas seulement en France, qui, avec la collaboration de Pierre Chaunu, a cornaqué la réalisation aux éditions Economica d'un ouvrage intitulé « La guerre d'Espagne revisitée », qui était une mise au point historiographique extrêmement complète au début des années 80, donc après la disparition du régime franquiste, hein, qui a publié également des ouvrages consacrés à d'autres auteurs espagnols, comme Donoso Cortés, et qui vient de publié aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, un ouvrage également tout à fait majeur, intitulé « Droite et gauche pour sortir de l'équivoque », avec un sous-titre, je crois, Arnaud Imatz, qui résume bien le contenu. C'est une histoire, c'est une histoire des idéaux et des valeurs non conformistes, voilà, du 19e au 21e siècle. Voilà, histoire des valeurs et des idéaux non conformistes. Autant dire qu'il y a là de la matière à puiser pour réussir à réfléchir sur la situation actuelle et pour penser le monde d'aujourd'hui. Alors, revenons-en à la guerre d'Espagne. Arnaud Imatz, tout d'abord, qui est ce Preston, ce Paul Preston que l'on nous présente comme un grand historien qui enseigne effectivement à la London School of Economics, hein, qui est une institution tout à fait reconnue, mais dont l'ouvrage justement mérite une approche extrêmement critique. Oui, alors son livre, bon, Preston donc, a déjà publié des livres
plusieurs livres sur la guerre d'Espagne, une biographie de Franco également. Et il a en fait eu en Espagne un certain succès depuis, depuis les années 2000, la fin des années 2000, sous les différents mandats et les différents gouvernements de Zapatero, du socialiste Zapatero, qui évidemment pour des raisons essentiellement idéologiques a encensé les travaux ils ont encensé les travaux de Preston, je dis, pour des raisons idéologiques, parce que, comme vous le savez, les socialistes espagnols avaient une politique économique qui était, d'une certaine façon, pour le replacer dans la lignée social-démocrate de Blair, Hollande, Valls, pour faire ou DSK, si on veut. Faire court. Oui. Et pour faire court. Et dans le même temps, il fallait ménager l'opinion d'extrême gauche. Donc, quoi de plus simple que de fomenter un combat culturel qui s'était quand même éteint, ou en tout cas qu'ils ont ravivé finalement dans les années à partir de 2007 et à partir de l'adoption de cette loi de mémoire historique votée en 2007, au départ loi donc exigée, demandée par le Parti communiste et par l'extrême gauche espagnole, et qui d'une certaine façon visait à, l'objectif c'est de démontrer que la République et la démocratie dans les années 30 était un système sinon parfait, du moins excellent, et que un système violé par la droite et l'extrême droite au sens le plus vaste. Et donc les socialistes se voulant les successeurs des républicains des années 30. Mais alors toute la question, c'est justement que en fait ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on ne voulait pas savoir pendant des années en France, c'est que en réalité ce système a été, il faut bien le dire, désastreux dans la mesure où on a cessé de connaître des violences, et puis en fait une démocratie ne peut s'instaurer que lorsqu'il y a un certain consensus, et puis un respect de la légalité, notamment un respect des élections, et ce respect n'a jamais existé au cours des années 30. Ça pour faire bref, mais on pourra ensuite, il conviendrait d'expliquer ce qui s'est passé depuis le début. Finalement, vous savez qu'il y avait une tradition, a toujours eu, ce que Preston ne veut pas, bien sûr, n'insiste pas sur ce point, mais il y a toujours une tradition putschiste en Espagne, notamment au XIXe siècle. Et après la présence française qui a considérablement déséquilibré la société espagnole, alors sans juger ce qu'on leur a apporté, bon, enfin, ça on peut en discuter, mais c'est de l'intérêt de l'influence française en Espagne. Ce qui est sûr, c'est que la société a été totalement déstabilisée, d'où entre les années à partir de 1830, on a à peu près 35 putsch, dont 33 qui sont des putsch progressistes, des libéraux qui se veulent progressistes. Bien. Alors, on a une instabilité générale ensuite au début du siècle, et pour faire vite, quand on se retrouve dans les années, à la fin des années 30, juste à la veille de l'avènement de la République, nous avons en décembre 1930 un putsch qui est là, fait par l'ensemble des forces républicaines et socialistes, l'avènement de la République en avril 1931, dès mars-février, les premières exactions, on brûle des églises, on brûle des écoles, on brûle des bibliothèques, et l'armée reste l'arme au pied, ou les forces de sécurité, plutôt, restent l'arme au pied, puisqu'en accord avec
les autorités à ce moment-là étaient, il y avait un gouvernement socialiste fait, pardon, de républicains jacobins avec l'appui des socialistes. Il faut savoir encore qu'en dès 1931, les anarchistes vont se soulever, donc là, leur rébellion sera réprimée par un gouvernement de gauche, puis ensuite en 1932, ils referont de même, ils se soulèveront à nouveau, ils se soulèveront en 1933 à nouveau, toujours les anarchistes. En 1932, il y aura un petit soulèvement d'un petit groupe de militaires de droite commandé par Sanjurjo, lequel Sanjurjo, il faut savoir qu'il n'était pas a priori un anti-républicain, puisqu'au au moment de la, des élections d'avril 31, lorsque les monarchistes ont perdu le pouvoir, dans des élections municipales, seulement municipales, mais le roi avait considéré qu'ayant perdu les élections dans les grandes villes, il a choisi l'exil. Bien, et Sanjurjo, qui était à l'époque qui dirigeait la garde civile, avait dit aux forces républicaines, je mets mon épée entre vos mains, je remets mon épée et les forces de sécurité. Donc il était plutôt, a priori, il n'était pas contre la République. Bien, voilà, non, nous avons, et alors surtout, fait majeur, et qui constitue, et sur lequel les polémiques ont porté au cours des dernières années, en 1934, les socialistes vont se soulever, et cette fois, les socialistes vont se soulever contre un gouvernement qui, de 1934 à 1935, est un gouvernement du centre, centre-droit, plus avec l'appui de la droite. C'est-à-dire, ce sont les radicaux, c'est le parti radical qui gouverne, un parti radical nourri de francs-maçons et qui, paradoxalement, a l'appui de la CEDA, qui est le parti à ce moment-là, qui a une majorité relative, mais qui soutient donc le Premier ministre. – C'est le centre espagnol. – Voilà, le centre espagnol, allez, disons, oui, c'est la droite. – C'est le parti de Gil Robles. – Voilà, et donc, en 1934, en octobre 34, le parti de Gil Robles décide, dit, au bout d'un an de gouvernement du Parti radical, ils demandent trois portefeuilles. Non pas, il ne s'agit pas pour eux d'avoir la majorité dans le gouvernement, mais seulement trois portefeuilles. Les socialistes, qui depuis 1933 ont fait un virage passant de la social-démocratie, en gros, vers l'alliance et avec la demande de la dictature du prolétariat, la défense du mythe révolutionnaire, du mythe armé, donc ça commence en 1933, et en 1934, il se lance donc, lorsque la CEDA exige trois portefeuilles, et il se lance dans une révolution qui se veut une révolution nationale, une révolution dans toute l'Espagne. Cette révolution dans toute l'Espagne ne va pas réussir dans la plupart des régions espagnoles, mais elle réussira essentiellement dans les Asturies et en Catalogne. Par la suite, toute l'historiographie majoritaire parlera des événements de la révolution des Asturies, en oubliant qu'il s'agissait au départ d'un soulèvement dans toute l'Espagne, avec non seulement qui s'explique, puisque Largo Caballero, à l'époque, il faut bien comprendre que le Parti Socialiste, c'est le chef du Parti Socialiste, voilà, et qui surnommé aussi, par ses troupes, le Lénine espagnol. Le Lénine espagnol, ce qui est assez significatif. Alors bien entendu, on va vous dire, non, c'est les gens de droite qui le qualifiaient de Lénine espagnol. Pas du tout, c'est les jeunesses socialistes qui le considéraient comme le Lénine espagnol. Les jeunesses socialistes dirigées par Santiago Carrillo. Oui, à ce moment-là, qui ensuite est passé communiste. Parce qu'il faut savoir que les jeunesses socialistes, ce qui prouve bien qu'il y avait quand même des ponts absolus, des ponts permanents entre les deux tendances, c'est que le Parti Socialiste est totalement bolchevisé, à telle enseigne que les jeunes socialistes et les jeunes communistes au printemps 36 vont fusionner, et dès 1933, dans les discours, dans les articles, on ne cesse de demander, les socialistes ne cessent de demander la dictature du prolétariat, et de dire, comme Largo Caballero, en fait, entre nous et les communistes, je ne comprends pas quelle est la différence et pourquoi on insiste sur une des différences alors que nous sommes les mêmes. Largo Caballero le dit clairement dans ses discours. Bien.
Alors voilà, ce qu'il faut retenir donc, ce qui est très important, je 34. Crois, c'est qu'en 1934, eh bien, il y a un coup de force contre la légalité républicaine, qui est le fait de l'extrême gauche. Exactement, très important, et d'autant plus important qu'ensuite, il suffit de se reporter, non pas à des témoignages de l'époque, parce qu'évidemment, il est facile de trouver des témoignages extrémistes, mais si vous vous contentez de lire les témoignages des libéraux démocrates de l'époque, eh bien on se rend compte de quoi ? Que des gens comme Salvador de Madariaga, qui va être un antifranquiste pendant toute sa vie, que dit-il à propos de 1934 ? À propos de 1934, il dit avec les événements de 1934, avec la révolution de 1934, la rébellion de 1934, les socialistes et la gauche espagnole a perdu jusqu'à l'ombre de crédibilité pour critiquer la rébellion de légitimité, pour critiquer la rébellion de juillet 1936. Et ça, évidemment, tous ces témoignages sont passés sous silence dans le livre de Preston. Notamment, vous avez des témoignages qui sont absolument capitaux, ceux des démocrates libéraux, des pères fondateurs de la République, qui sont Ortega y Gasset, les intellectuels Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno, qui lui est un catholique mais un libéral, c'est quand même l'ami personnel d'Amendola et de Benedetto Croce, donc le moins qu'on puisse se dire, on l'a traité de fasciste, mais c'est un peu on voit que c'est excessif et complètement aberrant. Et dernier, encore un témoignage capital, c'est celui du meilleur historien, du plus grand historien espagnol, qui lui est un homme de gauche, puisqu'il a été ministre de la République et surtout président du Conseil du gouvernement en exil. Claudio Sanchez Albornoz, exactement. Claudio Sanchez Albornoz qui lui dit, et qui était un ami intime de Manuel Azaña, lequel Manuel Azaña sera le président de la République, un libéral jacobin, qui sera président de la République. Et très anticlérical. Très anticlérical, bien qu'à la fin de sa vie, il ait reçu l'extrême onction. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de la passionnaria, c'est assez étonnant, qui a reçu l'extrême onction. Petite parenthèse, qui a reçu une extrême, ce que l'on ignore totalement en France. Qui, elle, a reçu l'extrême onction du Padre Llanos. Le Padre Llanos, c'était un jésuite qui était le directeur spirituel de Franco et qui était l'aumônier du Front de la Jeunesse en 1945 et qui, en 1955-60, est passé au Parti communiste, est entré au Parti communiste et finalement, il a fait toute une seconde carrière dans l'extrême gauche espagnole. Et à la fin de sa vie, il était donc ami intime de la passionnaria. Il l'a converti, etc. Bon, enfin, et ce qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui montre que dans ce bas monde, on trouve toutes les situations possibles et imaginables. Vous avez, alors qu'il l'a converti, donc oui, il a fait, avant de mourir, il a fait passer le message à Blaise Pignard, qui était un ami d'enfance, lui. Tout à fait pro-franquiste, en lui disant, écoute, si vraiment je t'ai blessé, heurté, pardonne-moi maintenant. Ouais, voilà, donc c'est… Mais c'est, là, au fond, c'est vraiment… on peut dire que la guerre civile, pour expliquer la guerre civile, encore une fois, il faut savoir que vous avez des gens, Durruti, qui était le principal leader des anarchistes, avait un frère qui était un phalangiste, après avoir été lui-même appartenu à la CNT. Vous avez… La CNT, c'était la Confédération nationale des travailleurs, c'était le syndicat anarchiste. Les frères Machado, Manuel était du côté national et Antonio du côté… frère de Franco. Oui, le frère Franco qui avait participé au putsch de Jaca de la fin de 1930, juste avant la proclamation de la République. Constanza de la Mora, qui était une noble, qui appartenait au Parti communiste et qui était la femme de Hidalgo Cisneros, qui était le principal, le général en chef de l'aviation espagnole, qui était donc communiste. Et Marichu, sa sœur, était une journaliste phalangiste. En fait, c'est la guerre civile, c'est pas une chose certaine, l'histoire est complexe.
complexe et, ouais. et compliqué. Alors je crois, André, que vous aviez un certain nombre de questions à poser. Vous avez rappelé rapidement l'histoire dans la République. Le movimiento a eu lieu le 19 juillet 1936. Et évidemment, l'interprétation, c'est l'armée et les vilains putschistes ont voulu renverser le gouvernement légal, une république légitime. Et dans le documentaire sur Arte, il était même dit que le putsch militaire avait été organisé sous l'autorité de Franco. On oubliait Mola. Mais je crois surtout que ce qui est important, c'est d'expliquer comment, à partir des élections de 1936, même si les désordres avaient commencé dès 1931, on est arrivé à, ce soulèvement. Et est-ce que, comme le dit Preston, est-ce que les militaires, d'emblée, ont toujours été hostiles à la République? Et deuxièmement, est-ce que l'Église aussi a été une force de réaction hostile à la République et à la démocratie? Oui. Alors, pour l'armée, ce qui est clair, c'est que ce qui démontre que finalement l'armée était très divisée, en juin, encore début juin, Mola, qui était à la, vraiment au cœur du complot, avait perdu toute confiance parce qu'il se rendait compte qu'il y avait à peu près 10% des forces des militaires qui étaient avec lui. Donc, ce qui prouve bien que l'armée a été, la démonstration, c'est le putsch lui-même, qui a un putsch qui a finalement échoué. Parce que les militaires, alors contrairement à ce que nous dit Preston, il y avait un programme prévu à l'avance. En fait, il y a une grande part d'improvisation. Les militaires croyait que en quelques heures la question serait réglée. Et les militaires n'ont commencé à s'unir, ne se sont unis que très tardivement. Et le point clé, bien sûr, ça a été l'assassinat de Calvo Sotelo le 13 juillet. Alors imaginez, en fait, l'assassinat de Calvo Sotelo, c'est… – Calvo Sotelo, il faut préciser, qui était le leader du parti monarchiste c'est ce que j'allais dire, Cortés. Le Renovación Española, qui était un peu comme un parti qui avait un petit peu dans l'idéologie, était un peu celle de l'Action française, au fond. Alors, il était, c'était un ancien ministre sous la monarchie, et et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les années, dans les mois qui ont précédé donc ces événements, les forces de l'ordre ont été nourries de militants d'extrême gauche. Avec la création des Altos, c'est voilà, ça, les quartiers des Altos. Mais donc ils ont, ils sont tout simplement, il y a un groupe donc composé par des gens, des hommes qui appartenaient aux forces de l'ordre, plus des militants, carrément, alors des militants d'extrême gauche, qui sont allés au domicile de Calvo Sotelo, qui en pleine nuit, évidemment, il y avait en principe une immunité parlementaire, bon, enfin, ils l'ont pris, ils l'ont fait sortir de chez lui, et puis, dans le carrefour, un petit peu plus loin, ils lui ont mis une balle dans la tête, ils l'ont exécuté. Et au lendemain, bien entendu, la police, bon, n'a rien fait, le gouvernement surtout n'a rien fait, et pour cause, l'un des principaux membres du groupe appartenait à la garde personnelle d'Indalecio Prieto, qui était un des socialistes qui passait pour modéré à l'époque. Donc, je crois qu'il faut essayer, pour bien faire comprendre aux auditeurs ce que pouvait être l'assassinat sordide de Calvo Sotelo, c'est comme si des forces de sécurité liées au pouvoir socialiste en France débarquer la nuit chez Marine Le Pen ou chez François Fillon, exactement. Mettez l'un et l'autre dans une voiture et lui mettez une balle dans la nuque. Exactement. Il faut bien faire comprendre quelle est la position de Calvo Sotelo. C'est pas un militant anonyme. C'était un personnage extrêmement important et qui aurait certainement un rôle important à jouer s'il n'avait pas été. Il y a un autre groupe qui a essayé de faire la même chose avec Gil Robles, mais par chance, il était hors de Madrid. Et c'est comme ça qu'il s'en est tiré. Et Gil Robles lui représentait, bon, ben disons, c'était ou Fillon ou Juppé, en fait, aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, pour oui, c'est les quelques mots donc, sur l'armée. Quant à l'Église, eh bien, l'Église, elle a eu une position extrêmement prudente.
un peu d'ailleurs comme la CEDA, hein, en fait, qui était le parti conservateur, qui a été ultra-légaliste jusqu'en février 1936, et ce n'est qu'après février 1936 que, évidemment, devant le panorama, le tableau 400 morts en 5 mois, le président de la République blackboulé, parce que en fait, il y a Niceto Alcalá Zamora était un homme du centre, c'était donc le président de la République, mais le Front Populaire estimait qu'il était un peu gênant, donc le trouvant gênant, eh bien ils se sont arrangés pour le destituer, le Parlement l'a destitué, en prenant un prétexte complètement absurde d'ailleurs, en disant qu'il avait dissous l'Assemblée nationale, en fait le Parlement, et ce qui était d'autant plus stupide que c'était grâce à cette dissolution que le Front populaire était arrivé au pouvoir. Le Front populaire avait gagné les élections. En fait, tout était bon, ouais. Tout était bon, et à ce moment-là, il faut bien dire que les libertés publiques étaient totalement, les libertés publiques, libertés individuelles totalement piétinées, la Constitution, au fond, toute l'opposition, position au Front populaire était complètement laminée, inexistante à partir du mois de juin, on peut considérer. Et avec des personnalités politiques de premier plan qui étaient arrêtées et emprisonnées. Oui, Primo de Rivera, qui le chef de la Phalange. Alors que bon, vous avez là aussi des témoignages, des articles de José Antonio qui dit finalement, juste au lendemain de l'élection du Front populaire, qui dit non, si le Front populaire est à la fois, si à sa veine sociale révolutionnaire, il se révèle profondément espagnol, ce sera peut-être une bonne période pour l'Espagne. Donc c'est dire qu'il est. Mais une semaine après l'avènement du Front populaire, bon, les cadres ou très rapidement les locaux sont fermés. Et un petit peu plus tard, il y a 2000 jeunes phalangistes qui sont arrêtés. Et sachez que la Phalange, c'était un tout petit mouvement de jeunes. Hein. Il y avait vraisemblablement avant les élections, ils se sont présentés seuls aux élections, ils n'ont eu que 45 000 voix, il y avait peut-être 10 000, vraiment, à tout casser, 10 000 militants, mais en revanche, après l'avènement du Front populaire, tous les jeunes des partis, les jeunesses de la CEDA, voire même du parti radical, sont allés nourrir les rangs de la Phalange, et donc à la veille du soulèvement, il y avait peut-être 50 000 adhérents. Concernant les militaires, je crois qu'il faut bien préciser que les militaires n'étaient pas tous des gens d'extrême droite. L'organisateur du Movimiento, Mola, était un républicain. Mmh. Il ne voulait pas changer le drapeau, il gardait le drapeau républicain. Il voulait garder la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'était pas du tout un forcené. Deuxièmement, il y avait nombre de généraux qui ont participé au Movimiento qui étaient des francs-maçons. Oui, Cabanelas. Cabanelas était franc-maçon, il était centriste. Et Queipo de Llano était franc-maçon. Et il avait même participé, je crois, à un putsch de gauche, tout à fait, au début des années 30. Donc, il faut bien voir que si il y a eu, de la part de ces généraux, un mouvement insurrectionnel, c'est que la situation était grave. Je crois que la meilleure résumée, c'est de reprendre les éléments du discours de Gil Robles qu'il a fait au Cortés, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale espagnole le 16 juin, en disant « Il y a eu 160, depuis que vous êtes là, il y a eu 160 églises détruites. 160, hein, c'est quand même pas rien. 251 édifices religieux agressés. 269 meurtres politiques, imaginez en France. Il y en aura 400 jusqu'à la veille, jusqu'au 13. Il y a eu 113 grèves générales, 238 grèves partielles et 10 sièges de journaux détruits. Cela voulait dire que c'était le chaos et qu'en réalité, la guerre civile a commencé bien avant le 19 juillet. Et qu'il y avait un processus révolutionnaire en cours. Alors, il ne s'agit pas d'un processus strictement communiste, mais il y avait un processus révolutionnaire, et en fait, ce n'est pas le fascisme qui a agressé la démocratie, c'est, comme le dit Stan Le Pen, c'est en réalité, il y a eu une révolution et une contre-révolution. – Absolument, en fait, à la différence de ce qu'essaie de
de nous dire, Preston, en reprenant les vieilles thèses du Comintern. Pour le Comintern, c'est clair, hein, c'était la lutte entre les démocrates et les fascistes. Mmh. Hein, alors que d'ailleurs, les anarchistes disaient non, pas du tout, c'est une lutte entre une révolution collectiviste et puis une oligarchie capitaliste. Et c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs. Mais le Comintern voulait ménager une façade. Il fallait absolument démontrer que dire que c'était une démocratie qui était donc agressée par des réactionnaires. Mais donc. Et les historiens se sont prêtés à cette interprétation. Absolument, absolument. Alors, un point, par exemple, qui est aussi important, c'est qu'il faut savoir que les membres du Parti radical. Ce parti, donc, d'Alejandro Leroux, qui avait été au gouvernement en 1934-1935, eh bien, non seulement les membres du gouvernement, mais les militants vont être assassinés, exécutés au lendemain. C'est-à-dire que c'était, il s'agissait pas d'extrémistes de droite, hein, c'était bon. Et ces gens-là, vous avez ensuite 5 à 6 ministres, hein, qui ont été les uns assassinés et les autres jugés et exécutés, comme Rafael Salazar Alonso, et exécutés par le gouvernement. Parce qu'on dit toujours le gouvernement, c'était toujours des incontrôlables, voilà, des incontrôlés. – toujours l'excuse des éléments, voilà, des éléments toujours, incontrôlés. – Évidemment, évidemment. – Des gens fous. – Preston est toujours entre l'angélologie et puis l'humour macabre, quoi, en fait. L'angélologie, parce que quand il nous parle de tous les mouvements de gauche, à l'exception peut-être, bon, parce qu'il est vraiment de connivence avec les mouvements de gauche en général, mais à l'exception des gens du POUM, et des anarchistes, qu'il n'apprécie pas. Mais, et là encore, c'est un point important à signaler, la force de Franco, c'est qu'il a instauré l'unité dans son camp, hein, puisque les phalangistes n'étaient pas d'accord, et les traditionnalistes carlistes non plus. Donc, mais bon, Manuel Edilia, le second chef de la phalange, a été condamné à mort par Franco, parce qu'il voulait il n'a pas été exécuté. Il n'a pas été exécuté. Voilà. Et Falconde, le leader carliste, voilà, a été obligé d'exiler. – Quant à gauche, finalement, dans le Front populaire, le Parti communiste a pris, au départ, était un parti minoritaire, un parti ultra-stalinien, minoritaire au début, et petit à petit, au fil du temps, ils sont devenus la force hégémonique au sein du Front populaire. Alors, mais toutefois, ils n'ont jamais réussi à imposer leur dictature, dans la mesure où vous avez deux exemples. D'abord, en avril 1937, à Barcelone, les anarchistes et les membres du POUM, qui étaient un parti marxiste, communiste, mais anti-stalinien, mais non pas trotskistes, comme on le dit souvent. Bien sûr, les communistes disaient que c'était des trotskistes. Hein. – Et les trotskistes, cherchent à récupérer l'âge du pauvre. – Vous trouverez dans le livre de Preston aussi une apologie de Kolstov, Mikhail Kolstov, qui était, qu'on appelait Miguel Martinez en Espagne, qui était le représentant, l'envoyé, agent provocateur de Staline, et qui a été chargé de faire exécuter les gens du POUM. Andrenine. Oui, et donc il y a un soulèvement, enfin un combat, une petite guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, donc entre les anarchistes et les gens du POUM face aux communistes avec leurs alliés socialo-marxistes, jusqu'à la fin, au moment où Madrid est assiégé. À la fin, lorsque Madrid est assiégé, on a à ce moment-là, les jeux sont faits, mais les communistes essaient de faire un putsch pour s'emparer véritablement au dernier moment encore de tous les rouages. À ce moment-là, les anarchistes réagissent, et les anarchistes avec
la petite frange social-démocrate oui. du Parti Socialiste réagisse et dame le pion aux communistes à la fin. Donc. Et Julián Besteiro, comme un fait exprès. Au terme d'un combat, d'ailleurs, qui voilà. a fait. Oui, au terme d'un combat. Oui. Et Julián Besteiro, c'est intéressant, et là, il faut citer son nom, ouais. qui est l'un des très rares sociodémocrates qui existait à l'intérieur du Parti Socialiste espagnol, est l'objet de diatribes de la part de Preston. Bien entendu, parce qu'il a eu le. Parce que. Voilà. Donc, mais il a été. Il a été exécuté. Besteiro. Il a été exécuté par les franquistes. Par les franquistes, oui. Il est revenu en Espagne, en prisonnier. On peut dire là que c'est d'ailleurs une erreur politique monumentale. Des franquistes qui ont eu la main un peu trop lourde. Les franquistes ont eu la main lourde, et là, je pense que c'est un thème qui a suivi la fin de la guerre. Effectivement. Dans le cadre de la réinformation, il faudrait parler des pertes humaines en Espagne qui ont trois origines. D'abord, tout simplement parce qu'une guerre, il y a moins de naissances et puis il y a des gens qui décèdent du fait de la misère. Il y a les morts au combat et puis il y a eu les exécutions. Et là, Preston avance 50 000 exécutions par les républicains. Au moment du Movimiento et après, et 150 000 du fait des franquistes. Or, ce n'est pas ce que l'on retrouve dans les autres livres d'histoire, et notamment chez Stanley Penn, qui dit des chiffres différents. Oui. Alors je vous laisse la parole, parce que c'est un mensonge constant de dire il y a eu une guerre d'extermination, c'est-à-dire Preston, c'est ce que dit Preston, alors que de l'autre côté, les malheureux ne faisaient que se défendre. Il faut rétablir la vérité sur ce point important. Oui, absolument, et là, je pense que c'est la deuxième... thèse importante qu'il faut de Preston qu'il faut détruire, donc la première étant donc la République qui aurait été violée par la droite, et la deuxième c'est celle du prétendu holocauste, génocide, anéantissement, extermination selon les termes qu'il apprécie. C'est le titre français, la guerre d'extermination. Même mieux, dans le titre anglais, c'est le Spanish Holocaust, l'Holocauste espagnol, et Inquisition. Et extermination dans l'Espagne du XXe siècle. Oui, on n'est pas un anachronisme près en ressortant l'Inquisition. Oui. Et les plus sérieux, il y a eu 300 000 morts en fait dans la guerre d'Espagne, hein, 300 000 morts. Alors après, évidemment, comme vous faisiez référence aux gens morts de malnutrition, etc., qui augmentent le chiffre final, si vous mettez les exilés, etc., bien sûr. On peut considérer, donc il y a 300 000 morts, des études qui ont été faites par des démographes, hein, depuis il y a quand même 70 ans de recherche historiographique sur le sujet, de recherche démographique aussi. Donc 300 000 morts, dont et on compte 160 000 dans le camp républicain, et 140 000 dans le camp national. Alors je dis bien national, comme je répète chaque fois, et non pas nationaliste, comme on dit chez nous, puisque comme vous l'avez vu, comme vous l'avez compris, il y avait toutes sortes de tendances qui étaient dans le camp national. Bien, à partir de là, on a les victimes de la répression. Alors les victimes de la répression sont... au départ, on peut considérer qu'il y a 60 000 morts à peu près dans le camp républicain, non pas victimes nationales qui sont dans le camp républicain, hein, et dans le camp Vous voulez dire 60 000 victimes républicaines ? Je veux dire 60 000 victimes nationales dans le camp républicain. Voilà, pour être plus précis, vous avez raison. Dans les territoires contrôlés par les républicains, donc. Et de l'autre côté, vous allez avoir à peu près 50 000, c'est à peu près, on est à peu près dans les mêmes chiffres, 50 000 du côté, donc, dans le camp national, 50 000 victimes républicaines. Tout en sachant, il faut quand même savoir que le territoire est
se réduit au fil des ans, le territoire, national augmente et le territoire républicain diminue. Cela dit, ensuite, vous allez avoir, et c'est là que les franquistes ont eu, les franquistes, à cette époque, on ne parlait pas de franquistes, on disait encore les nationaux, ont eu la main lourde, c'est qu'il y a 30 000 exécutions après la cessation des combats. Alors là, c'est important, ce qu'il faut bien souligner, c'est que on sait, par exemple, qu'il y a eu 50 000 personnes condamnées à mort. 50 000 personnes condamnées à mort, dont 30 000 exécutions qui ont été vraiment effectuées. Et il est important quand même de noter, il suffit de prendre des éléments de démographie pour invalider la thèse de Preston. Preston nous dit, bon, encore l'Holocauste, donc par référence dans l'imaginaire, on sait, je pense que l'éditeur français a voulu refuser. Par crainte du ridicule, sans doute. Par peur du ridicule de réutiliser le même terme, mais il a donc, ce qu'il oublie de dire, c'est que, en fait, il y a 25 millions d'habitants en Espagne, à la fin de la guerre, 25 millions d'habitants. Sur ces 25 millions d'habitants, on peut considérer qu'il y en a 4 millions qui ont combattu dans les rangs du camp républicain. Sur ces 4 millions, les militaires, à la fin de la guerre, vont faire arrêter 400 000, soit 10%. Et sur ces 400 000, il y aura au final 30 000 exécutés. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 1%. Donc, en proportion, si vous comparez ça à ce qui s'est passé dans l'Allemagne nationale socialiste, au Rwanda, au Cambodge, en Union soviétique, etc., nous sommes quand même, il est quand même difficile de faire ce que dit d'ailleurs Stanley Penn. Il dit si Preston avait fait son travail sérieusement, il aurait fait quelques comparaisons avec d'autres pays qui ont connu des guerres civiles, notamment la Finlande, où en 1918, dans un gouvernement, une démocratie et un parlement démocratique s'est lancé dans une répression qui, en proportion, a été aussi violente et aussi importante qu'en Espagne. Et j'ajoute même que, si vous rapportez ça à la population de Cuba, par exemple, qui ne passe pas pour une dictature violente comme, si j'en juge par les dernières déclarations de ministres ou de nos admiratrices de Castro. Voilà bien, il y a eu quand même 8000 exécutions, et pour une population qui devait faire quoi, 9 millions, 10 millions d'habitants, même pas. Donc on est encore dans le... C'est un petit peu ce qui s'est passé en Espagne. Hein. Je voudrais citer un paragraphe du livre de Stanley Penn sur l'Espagne mémorielle, et je crois que cela résume tout et que ça renvoie le livre de Preston là où il doit être. Les efforts des apologistes de l'un ou l'autre camp pour se prévaloir d'une prétendue supériorité morale ou politique sont aussi futiles qu'absurdes. Des deux côtés, les exécutions furent intentionnelles, criminelles et massives. – Absolument, et je suis d'autant plus content que vous fassiez référence au livre de Stanley Penn, que j'ai préfacé ce livre et que j'ai eu du mal à trouver un éditeur en France, et que c'est moi qui ai cherché l'éditeur, parce que je trouvais que c'était quand même un livre capital. Je suis d'autant plus heureux que vous en parliez. – À ce propos, on peut d'ailleurs faire une remarque, à propos de la difficulté de trouver un éditeur concernant la guerre d'Espagne, c'est l'ouvrage de Pio Mora, qui est un ouvrage qui en Espagne a rencontré un succès absolument considérable et qui ne trouve pas d'éditeur en France, alors que Paul Preston en trouve. Oui, c'est d'autant plus intéressant que Pio Mora est lui une personnalité, en fait
fait un ancien, un antifranquiste qui était membre du GRAPO, c'est-à-dire le Parti communiste. Militant révolutionnaire gauchiste. Le plus gauchiste, hein, le plus, plus à la gauche du Parti, du Parti communiste. Et c'est tout un, il y a tout un concours de circonstances que je pourrais vous expliquer, mais enfin, ce serait trop long. Il a ainsi, en fait, il a eu, on lui a ouvert toutes les archives de la fondation Pablo Iglesias en Espagne, précisément en sa qualité, compte tenu de son pédigré, en sa qualité d'homme d'extrême gauche. De gauche inattaquable. Et donc il a fait, il a exploité toutes ses archives et il s'est rendu compte ce jour-là que finalement la responsabilité du Parti Socialiste dans les événements de 1934, d'octobre 34, était totale. Et il l'a écrit. Hein, parce que c'était quand même, c'était un homme honnête, il l'a écrit, évidemment personne ne voulait de son livre, mais il a réussi à trouver une petite maison d'édition qui a accepté de le publier. Et par la suite, par chance, un succès éditorial, ça a été énorme. Et surtout, Espagne. Non seulement son premier livre qui s'est bien vendu, mais c'est surtout, surtout le second livre, les mythes de la guerre civile, qui a été vendu en Espagne à 200 000 exemplaires, ce qui est quand même considérable pour un livre d'histoire, alors que les livres d'histoire se vendent à 1000 exemplaires au maximum, lorsque ce n'est pas 200 ou 500 exemplaires. Je vais en espagnol, donc, mais j'aimerais plutôt attendre qu'ils soient en français. Oui, alors, mais là encore, normalement, il y avait un éditeur était prévu en France, c'était Talandier qui devait le publier et qui l'annonçait à plusieurs reprises. Il y avait le numéro d'ISBN, un traducteur, etc. Et au final, ben, ils ont préféré publier un livre, un recueil d'actes d'un colloque qui était publié par, enfin présenté par un ancien communiste, hein, un intellectuel communiste, et puis préfacé aussi par l'actuelle maire de Paris. Une autorité historique incontestable. Et jusqu'à présent, donc, ce livre de Pio Mora est passé dans les oubliettes en France, alors que bon, on peut évidemment on peut être d'accord ou ne pas être d'accord sur tout ce qu'il dit, ça c'est autre chose, parce que c'est un ancien communiste donc, qui manie la rhétorique c'est quelqu'un de très formé et qui est très dur. Alors bien entendu, on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, on peut être en désaccord sur certains points, mais comme le dit encore ce cher Stanley Penn, encore faut-il accepter de débattre avec lui et non pas se lancer dans des critiques ad hominem. Et puis bon, voilà. Oui, il y a un point qui me semble pour la France important, c'est que en 39, lorsque les nationaux ont pris Barcelone, la dernière offensive, l'une des dernières offensives, puisqu'après il y a eu d'autres offensives, mais la grande offensive sur Barcelone, à peu près 400 à 500 000 personnes civiles dans des conditions épouvantables, soldats armés, sont remontés vers la France, vers Bourg-Madame, Figueras, etc. Et les Français se sont retrouvés avec 400 à 500 000 personnes à gérer. Et tout de suite, les Français, la France a été mise en accusation pour n'avoir pas organisé cette arrivée massive. Ce que je voudrais rétablir comme vérité, c'est que la France s'est retrouvée, et n'avait pas pour vocation recevoir 400 à 500 000 personnes, qu'elle s'est retrouvée prise à contre-pied, qu'elle avait d'autres soucis, 6 mois après c'était la guerre. Et que, contrairement à ce que l'on dit, même si c'est vrai dans les premiers jours, la situation était vraiment épouvantable, les Français ont géré. D'abord, un certain nombre, 150 000, je crois, à peu près, sont retournés en Espagne. Oui, à peu près la moitié, oui, à peu près la moitié sont retournés en Espagne, immédiatement dans les semaines suivantes. Voilà. Oui. Et la France a été le seul pays à recueillir et à gérer ces réfugiés, puisqu'il y a eu un livre écrit là-dessus, je dois l'avoir quelque part dans le Lot. Les Français ont réparti ces réfugiés, les hommes ont été répartis dans des bataillons de travailleurs surtout, d'autres se sont engagés dans l'armée, mais au bout d'un certain temps, ils ont été accueillis par la France. Et c'est vrai que si les premiers jours ont été vraiment très durs, la situation, alors que nous avions vraiment d'autres problèmes à régler, elle a été réglée. Il faut bien insister sur un fait que la France est la seule, avec le Mexique, mais le Mexique en a reçu 20 000, à accueillir ces réfugiés espagnols. Les Anglais n'en ont pas pris un seul. Bon, les Soviétiques.
Et les soviétiques, ouais, alors oui, les soviétiques, oui, l'histoire, oui, des, oui, des enfants espagnols, oui, qui a été une histoire horrible, oui, puisque ces malheureux se sont retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, dans un climat qui vraiment n'était pas le leur, et qui ont été extrêmement maltraités. Et puis en Union soviétique, certains des réfugiés ou exilés ont très vite déchanté. Ah oui, également. Et certains comme Kolstov, dont je parlais tout à l'heure, qui a, lorsqu'il est retourné en Espagne, Staline, pour qui devait avoir ses raisons, l'a fait, quand il est revenu en Union soviétique, ben Staline l'a reçu et puis. Puis il a fait exécuter très rapidement. Il se méfiait terriblement des gens qui avaient participé à la guerre d'Espagne. Ouais, notamment aux brigades internationales. Voilà, aux brigades qu'ils avaient été contaminés sans doute. El Campesino, qui est une des figures du camp républicain et qui ensuite a réussi à s'échapper de l'Union soviétique et qui, dans les années 60, tenait des discours hautement anticommunistes. Alors, il y a un dernier point dont nous n'avons pas eu le temps vraiment de parler, il nous reste peu de temps, c'est cette question des brigades internationales. Il est intéressant de rappeler à nos auditeurs qu'il y a eu aussi des internationaux chez Franco, dans le camp franquiste. – Oui, il y a eu des internationaux moins organisés que… Du côté républicain. D'abord, bien entendu, il y a eu la Légion Condor qui est montée à peu près 16 000 hommes, mais c'était une unité allemande. Ouais, et puis, il y a eu Avec des relèves. Hein. Ouais. Il y avait toujours à peu près 4 000 hommes. Il y a eu des blindés, il y a eu des blindés et de l'aviation. Ouais. Deuxièmement, il y a eu le corps, le CTV, le corps des volontaires italiens, 70 000 hommes. Au début, ça s'est mal passé. Puis après, ils ont arrangé. À la fin, les Italiens ont été bons lors des dernières offensives. Mais surtout, il y a eu des volontaires individuels, il y a eu 10 000 Portugais, enfin 10 000, j'ai lu 20 000, mais 10 000 Portugais, et il y a eu des gens qui venaient d'un peu partout, comme par exemple des Russes blancs, et il y a eu des Français. Des Irlandais aussi. Des Irlandais à cause du catholicisme. Alors, concernant les Français, ils n'ont pas été extrêmement nombreux, mais il y a eu la Bandera Jeanne d'Arc, et puis il y a eu des Français qui sont battus dans les rangs de l'armée espagnole. Franco ne voulait pas avoir des unités trop nationales à l'intérieur. Et parmi les noms, il y a eu des futurs collaborateurs comme Harold Pakis, mais il y a aussi des gens de gauche comme Putz, qui est mort, qui a fait partie de la 2e DB et qui est mort en Alsace. Je crois que son chef, enfin l'un de ses subordonnés, lui venait des brigades internationales de Franco. Il faut parler du capitaine Bonneville de Marsangis, qui a été tué et dont le fils est mort à Denbenfou. Eh bien voilà, un tour d'horizon concernant cet ouvrage de Paul Preston que nous ne pouvons évidemment que déconseiller à nos auditeurs, mais il était évidemment important de rétablir un début de vérité sur cette carte d'Espagne.